Yayaton est en Consamba où nous reçoit Prince Dedi Eyango qui se raconte comme jamais. L'histoire de la musique camerounaise, épisode 4. L'histoire de Cabrel Nandjib. Elle parle, danse, chante sa chanson préférée dans le Yamo. Mais tout de suite, nous vous amenons dans les coulisses du spectacle de présentation du nouvel album de Makas, Backstage. La contraction de l'adjectif possessif ma et du mot car a donné le nom Makas à ce groupe. L'idée géniale de la création de Makas est venue de trois personnes. La fondation de cette case a donc été réalisée par les maçons Roger Dubois Minka, Blik Bassi et Thierry Essa pour poser la charpente et la toiture. L'habilité de Henri Okala, Merveille Changbe et Sandrine Nanga est requise par cooptation. La peinture sur les murs, un mélange de jazz, de blues et de sonorités africaines qu'ils appellent le Bantu Groove, va les faire remarquer à l'échelle nationale et même internationale. À un moment donné, Makas va essuyer des intempéries qui vont voir s'envoler Fenêtre et Tôle. Blik Bassi, Henri Okala, Ruben Bina, Sandrine Nanga s'en vont. Une partie des Tôles s'est même envolée pour l'éternité. Merveille Changbe est arraché à la vie brutalement un soir de juin 2017 à Yaoundé. Cory Dengmo, décédé en mars 2023 en France. Toutes deux reposent désormais en paix dans la case céleste. Ma case n'est pas tombée en ruine pour autant. Serge Mabouma a donné une nouvelle allure à la maison avec des nouveaux matériaux. Jules Tawembe, Petit Jean Abanda, Joël et Cindy, Arlène Na et Anthony Bacop. Avec une peinture toute fraîche, de nouvelles tôles et un revêtement au sol, Makas revient au devant de la scène avec un sixième album studio. Trois jours durant, nous avons suivi les membres de ce mythique groupe pour la sortie de Carpe Diem, Immersion, dans le voir bébé du nouvel opus du groupe Makas. Yaoundé, au lieu dit derrière usine Bastos. Il est 6h40 quand nous arrivons au domicile de Serge Mabouma, l'administrateur et bassiste du groupe Makas. Bonjour, tonton Mabou. Il est en compagnie de la chargée des relations presse et agent artistique du groupe Love Lormeke. Rejoint par Roger Dubois-Minka, un des membres du groupe, il s'apprête à se rendre à la télévision nationale pour honorer un rendez-vous promo. Les autres sont là-bas. Serge Mabouma prévient son épouse qu'ils sont sur le départ. Ok, ciao. Le temps de commander deux taxis. Ah, on est dans 8 minutes, comment? Et à 7h02, les deux véhicules arrivent avec 5 minutes d'écart. Puis, c'est le départ. Direction le siège de la CRTV Télé en balade, que nous rallions en moins d'un quart d'heure. Ouais, bonjour, vous êtes où? Ils sont rejoints par Joël et Cindy, Arlène Na et Anthony Bacop. Peu avant que Serge Mabouma ne passe au maquillage. Sur le plateau de la matinale, les Makas sont installés avant de chauffer les voix pendant que Roger Dubois-Minka gratte sa guitare. Diane Gassa, la présentatrice, est littéralement sous le charme pendant que le journal de 8 heures est à l'antenne. Fin du journal, puis introduction de la dernière heure de l'émission au rythme des voix de Makas. Et puis, merci. Merci infiniment le groupe Makas. Une interview au leader du groupe, captée par le manager, et deux chansons exécutées
dont un titre du nouvel album. Avec la pandémie, les choses ont changé au laboratoire. Oui, effectivement, nous avons imaginé une autre manière d'utiliser cet espace. Et le compte est bon pour l'instant promo du jour. Ah, 9h23, la bande de copains quitte la CRTV pour faire escale quelques centaines de mètres plus loin, toujours au quartier Mbalade, chez quelqu'un que Serge Maboma tient absolument à nous présenter. Pour la suite du programme, toute l'équipe est désormais en mode quartier libre. Une séance de travail regroupant tout l'orchestre est prévue cet après-midi. Il est 10h17, retour au quartier Bastos. On attend l'heure de la répétition. À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose à manger, suivez-moi. On va manger. Bonjour madame. C'est un bon. C'est très bon. Il est 12h47. Le groupe a une séance de répétition dans environ une heure de temps. Les membres commencent à arriver au compte-gouttes. Petit Jean Abanda en premier. Attablé à la maison à côté, une partie de la famille Makaze dévise et fait le plein d'énergie. Ils sont rejoints par Jules Taoné. Je t'ai salué la première, maintenant tout le monde a eu. Ophélie est malade, dis-donc. Dis-moi, c'est qui? 13h40, tout le monde se dirige au lab. Bon, maintenant pas maintenant alors. Le vrai truc du truc. Il manque quelqu'un à l'appel. Voici l'entrée de Rodi et quoi. À 13h57, c'est le début effectif des répétitions. Elles vont durer près de 3 heures de boulot. C'est provisoire, hein? Il est 13h56. Nous voici de retour au laboratoire musical de Bastos. Où nous tombons sur Roger Dubois Minka en tête à tête avec sa guitare. Toujours en pleine répétition. Je n'aime pas quand mes doigts font ça. Quand j'ai un temps libre, je vais jouer.
Aujourd'hui est jour de présentation à la presse de Carpe Diem, le nouvel album du groupe Makaz. 14h18, Rodi Ekwa est dans la place. Dans le laboratoire, la mise en place est effective. Salut Yayato. Puis, c'est le bal des arrivées des invités, des hommes et des femmes des médias. Il est 16h28. Une concertation des membres de la famille Makaz est convoquée. Une prière est alors adressée à l'Éternel pour lui confier le nouveau bébé que la presse nationale et internationale est venue voir. Pour les siècles des siècles, yes! Yes! Pendant ce temps, à l'extérieur, quelques invités carburent au thé chaud avant de s'installer dans l'auditorium. 16h36, le concert presse est introduit par Love Lord Mekou. L'interprétation de leur nouvel album Carpe Diem. Et dans la foulée, les membres du groupe investissent la scène. Et c'est parti pour le show. Le showcase est apprécié à sa juste valeur par les hommes et les femmes de médias venus nombreux et qui immortalisent l'instant inédit par des photos, des vidéos et même des lives Facebook. Du spectacle, Makaz en a donné. En chœur, la presse a communié. Chanté en Mendumba, en Maka, en Néondo, en Eto, en français et en anglais, Carpe Diem est désormais ouvert à la critique. Cependant, Serge Mabouma a un coup de gueule à passer à la presse nationale. Personnellement, je suis outré lorsque j'entends des journalistes faire parler des musiciens camerounais qui comptent et ils omettent de parler de Makaz. Je trouve que c'est malhonnête. À 11, fin du concert presse. La sortie du laboratoire laisse place aux interviews, puis à l'apéro. Ce qui va se passer samedi, c'est comme disaient les enfants, la chimpanzé. Voilà, allez, ciao. Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Il est 14h38. C'est ici, dans moins de 5 heures de temps, que le groupe Makaz va présenter Carpe Diem au public après la première à Douala. Quelques membres déjà présents sont en mode relax. Quand d'autres sont en train de disposer le matos sur la scène. Il est 15h30, c'est le début de la balance. Tu es la source de vie. Voilà, c'est cool, voilà. Après la balade, c'est dans la loge principale que la suite des préparatifs se joue. Pendant que Arlène se fait une beauté au maquillage, Serge Mabouma, Joël et Cindy, Rodi Ekwa,
et Anthony Mbakop, presque toute la section Voix de Makaz reçoit les soins particuliers administrés par ces spécialistes de l'hôpital de la voix. C'est bien d'être chanteur, c'est bien d'être professionnel. Dans la salle de spectacle, les derniers décors sont plantés. Alors que dans les couloirs de l'IFC, de nombreux publics venus s'impatientent jusqu'à l'ouverture de la porte pour l'accès en salle à 18h48. 19h07, température à l'intérieur, 26 degrés. La salle est comble. Une foule est même bloquée à l'extérieur parce qu'arrivée en retard et pour la 1500e fois dans ce lieu, le maître des cérémonies de l'IFC prend la parole pour lancer le concert. On commence avec Diane, on continue avec Makaz. Merci d'être là. Bonne soirée. Jusqu'au bout de la nuit, un plaisir pour le public, le même plaisir avec lequel ils proposent leur nouvel album. 9 titres, 41 minutes 9 secondes de bonheur. Bonjour à tous, nous sommes à Consamba, nous sommes dans le domaine de l'un des plus grands musiciens camerounais qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans son domaine privé. Mesdames et messieurs, Dedi Eyongo, pardon, Prince Dedi Eyongo est l'invité de Yaya Toure. Dedi Eyongo, c'est ceci. Dedi Eyongo, c'est aussi ceci. Animo, ne te fais pas de chagrin. C'est tout le monde qui a des problèmes. Dedi Eyongo, c'est également ceci. Tout commence ici à Consamba le 27 avril 1960, si je me trompe, vous venez au monde. C'est ça, oui. Et vous êtes l'aîné, vous êtes le cadet. Je suis troisième enfant de mes parents. D'accord. Oui, oui. Donc, je suis né ici en Consamba. Fils de pasteur. Mon père était évangéliste et aussi planteur. Et oui. Votre maman? Ma maman était couturière, elle faisait les champs aussi également. Oui. Oui, vous êtes petit-fils du roi Galmois? Oui, le mon grand-père Ndjanjo était le premier chef du village Galmois. D'accord. Dont le père à ma mère. Vous-même aussi chef? Notable, oui. Deux magnifiques filles, Mina et Kamala, qui ont justement suivi votre chemin. Dedi Eyongo n'a pas deux, mais plutôt trois filles qui ont tout un penchant assez affirmé pour la musique. Elles ont produit déjà deux chansons. Il faudrait cependant admettre qu'il reste du chemin à faire sur le plan artistique pour se rapprocher de l'immense et extraordinaire aura et discographie de leur papa. Ça se voit que les filles n'ont pas peut-être hérité de tout le talent. Elles sont très investies dans l'industrie du textile également. Il y a quelques années, elles ont ouvert une boutique à Yaoundé. J'ai quatre enfants, okay. Un garçon, une fille avant le mariage, d'accord. Et puis deux filles pendant le mariage. Kamala et Mina, bon, elles sont nées dans la musique parce que lorsqu'on a le studio dans son sous-sol aux États-Unis, ce que j'ai fait, c'est tout simplement leur interdit de chanter avant de finir les études. Ok. Ouais. Elles ont fait quoi comme études? Comme l'ingénieur en agro-business. Donc, okay. Elle a fait un master en agro-business et Mina a fait finance. Elles n'aimaient pas le Cameroun, mais lorsqu'elles sont arrivées, elles ont commencé, elles sont tombées amoureuses du Cameroun grâce à leur père qui leur a dit « c'est mon pays, c'est votre pays ». J'ai beaucoup fait pour que mes enfants ne s'identifient pas comme américains. Et au niveau même du choix du style de musique, ça a été très très difficile parce qu'elles pouvaient se retrouver en train de faire autre chose qui n'a rien à voir avec le Cameroun. Oui. Et chanter peut-être en français par exemple, c'est ici au Cameroun qu'elles ont appris à causer français. Pourquoi toi tu fais comme ça? I don't want me $1 million. Il est normal que les attentes soient élevées par les filles de Dedi Eyongo, mais pour moi, je suis satisfait
au niveau là où elles sont jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous êtes un papa très protecteur. On vous a vu mettre un grand parapluie sur les filles le 16 mai 2021, si je me trompe, lorsqu'elles ont subi une pluie d'attaques sur Internet. Le public camerounais est difficile et parfois, on est toujours prêt à critiquer. Ce n'est pas des enfants nés ici. Elles font suffisamment pour se comporter comme des Camerounaises. Parce qu'elles sont nées aux États-Unis. D'ailleurs, elles sont nées aux États-Unis, où tous les enfants aux États-Unis sont presque nus, marchent nus aux États-Unis. Personne, ça ne dérange personne. Voilà. Mais on s'est battu pour les dire, écoutez, l'environnement ici n'est pas comme ça. Parfois, on les trouve un peu trop dénudés, gna gna gna, mais je pense qu'il y a un papa derrière qui a donné une éducation comme il faut. On va rester dans les on dit. Alors, on l'a prête d'avoir pour meilleure amie la fille d'un chef d'État. C'est un privilège de l'avoir connue, d'avoir eu pour un enfant qui grandit la fille du chef de l'État. Mais j'ai toujours considéré Brenda comme ma fille. Parce D'accord. que c'est comme ça que je la connais. Mm-hmm. Et c'est les mêmes restrictions. Par exemple, c'est les mêmes choses qu'on lui disait, même quand elle était à la maison. Voilà, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. C'est-à-dire, quand elle est là, je lui dis... Tu débarrasses comme tout le monde. C'est pas donc c'est une enfant, c'est une fille qui a passé beaucoup d'années avec nous, donc je connais très très bien. Okay. Et c'est vrai. Alors là, on vient de toquer à votre porte pour prendre la main de l'une de vos filles. Vous Malheureusement, les réseaux. Comment vous avez personnellement vécu cela? Bref, déjà c'est le toquer porte qui est supposé être très discret et réduit. Mais on avait des difficultés à réduire. J'ai recevé déjà des messages qui venaient d'ailleurs, oh, tu ne m'as pas invité, c'est bien, donc je ne fais pas partie de la famille, je croyais que nous sommes des amis. Donc, voilà, et ça fait du bruit. On va parler cette fois-ci de l'homme, maman, qui serait Sri Lanka. Et comment s'est fait la rencontre? Bon, nous sommes rencontrés à Los Angeles à travers des amis. À l'époque, elle était... en thèse de doctorat à l'Université de Los Angeles. Et on avait des amis communs, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. On est devenus des amis, après bon, on est devenus copains-copines et puis on est devenus un couple. Ok, l'histoire de Dédié Yango, la suite juste après ce quatrième épisode de l'histoire de la musique camerounaise, un document inédit signé Alain Nagui Essono, Christian Boidier, Yves Kouam, Miguel Ngolilaf et Alain Bell Singen. Une chanson énigmatique fait danser le Bikuti jusqu'au Japon. La chanson a beaucoup tourné. La révolution du rythme de la forêt s'appelle Essinga. Jean-Marie Handa, qui était extrêmement visionnaire, qui conseille aux gars d'avoir un look. Parce que là aussi, on entre dans le côté visuel de la musique. Les têtes brûlées, c'est vraiment ce look-là qui a fait des ravages partout jusqu'au Japon. Dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui porte un peu la colonne vertébrale, qui est Zanzibar, Epeme Théodore, qui a donc eu beaucoup d'influence au Nigeria, au Ghana, qui a pas mal boulingué. Essinga, une chanson légendaire dans tous les sens du terme, rythmée par un jeu de guitare qui a révélé un certain Zanzibar à la guitare solo et à Tebas à la guitare basse. Le jeu de Zanzibar était tellement puissant que Atebas s'est retrouvé à jouer sur des hauteurs sur lesquelles il n'a plus jamais joué. Depuis que Zanzibar est parti, on ne voit plus Atebas jouer au niveau où il jouait. Ça, c'est bien le signe que c'est Zanzibar qui tirait artistiquement ce groupe vers le haut. Essinga, c'est l'hymne national universel du Bikuti.
un guitariste qui ne joue pas le singan n'est pas un guitariste. Le concept Les Têtes Brûlées est créé par le journaliste Jean-Marie Ahanga, mais l'artiste musicien Angé Bougué-Méran revendique sa paternité. Les Têtes Brûlées sortent du groupe Ozima, le groupe Ozima que moi j'ai créé, parce que j'ai créé le groupe Ozima avec Zanzibar. Nous créons donc le groupe Ozima, nous complétons l'équipe avec les autres. Mais moi je suis allé en Europe pour faire mon enregistrement. C'est là où quelqu'un profite de détourner tout le groupe pour qu'il devienne Tête Brûlée. Qu'est-ce qui a changé par rapport au groupe Ozima? Le look, rien que. Du trio de départ du groupe composé de Zanzibar, Atebas et Soulmangumba, le collectif va s'agrandir en accueillant Michael Ango, dit Apache, André Azemé, dit Nylon Moteur, et Gibraltar Dracus, dans un premier temps, puis André Afata. Qu'importe, la machine au concept du Bikutsi Rock est lancée avec à la clé une tournée mondiale, un film documentaire traçant l'épopée du groupe Succès Total. 1988 est une date sacrée avec cette tournée africaine, européenne et américaine. Des Têtes Brûlées, sanctionné d'ailleurs par un magnifique documentaire de la Française Claire Denis, Manron. Après le monumental et Singan, le groupe met sur le marché discographique le titre Be Happy. Les Têtes Brûlées vont finir par s'effriter pour connaître une fin précoce. Épée Théodore, 10 ans Zanzibar, meurt en 1988. Apache Ango est retrouvé mort dans sa chambre à Yaoundé en janvier 2023. Eux aussi, ils ont pu grappiller chacun une place dans le tableau d'honneur des tubes qui ont marqué les années 80. Souvenez-vous de Gauthier Aimé. En 1989, il se distingue avec le titre « Allah ». C'est un grand chanteur d'un groupe à succès et qui a sorti son Ala Ala Ala. En 1988, Govinal Dinga Isomba électrise les foules avec son entraînant Nayen Naya. Octobre 88, c'est en plein studio lorsqu'il réalise Nayen Naya. On vient leur annoncer la mort de Zanzibar. Naya Naya, ça a marché comme ça, il n'a pas forcé. Après, les puristes pourront estimer que c'est un Bikutsi un peu électro. Je me souviens dans son clip, il y a les gars de je crois, SBM qui sont danseurs. Voilà, ça montre un peu l'atmosphère, le contexte dans lequel Govinal a pu évoluer. Il était un moderniste, il a été un moderniste du Bikutsi. Ça lui a valu la sympathie d'une partie du public et peut-être l'antipathie de certains puristes, mais c'est quelqu'un qui a toujours pris la musique et notamment les Bikutsi avec un énorme respect. C'est Naya Naya qui a connu une résurrection grâce à un DJ. Ça aussi parce que Naya Naya était très techno déjà. L'un des premiers informaticiens du Cameroun, là, il sort Meboua, accompagné par les Angalais ou les Golden Sound. Il a eu beaucoup d'autres tubes comme Sewa. Avec son unique album produit par Justin Bowen, une étoile filante a traversé le ciel de la variété camerounaise. Son nom est Di Edouté. Di Edouté, il est de Mwamanga, à Kibi. Il a multi-instrumentiste, chanteur, guitariste. En 1988, il conquit les cœurs des Camerounais avec les inoubliables Ils t'ont dit ces mots. Et qui n'a pas de show? Eddie Edouté est mort brutalement en 1992 à Bastia, en France. Les Golden Sounds étaient incarnés à l'époque par Elanga Maurice. Messi Martin lui a failli en faire partie, mais sa maman n'en a pas voulu. En 1986, les Golden Sounds sont devenus les Angalewa.
qu'on doit sortir tout le temps. Et quand on sort, on ne peut pas utiliser les Golden Sound. Zangalewa doit être civil. Donc, ils auront leur liberté d'aller faire tout ce qu'ils veulent. C'est dû déjà à la chanson phare de leur enregistrement est Zangalewa. Et on se dit, bon ben voilà, le nom du groupe, ça va être Zangalewa aussi. Cinq membres de ce grand groupe ont signé un contrat avec Clo-Clo, Clotimeni et Bobolofia Production. Donc, Kojidier, Emile, Dobelegui, Zebela, et Yebe Luc, André de Sendenga. C'est une chanson populaire des armées. Lorsqu'on va en formation, quand on dit Zangalewa, c'est le hondoïsme. Ça veut dire Zangalomoa, qui t'a envoyé? C'est l'une des premières chansons qui a été, dont le mythe a été bâti par le clip. Parce que c'est une très très longue chanson qui arrive à la télévision en 86. Et il y a des soldats, des hommes en tenue qui sont habillés de manière un peu bouffonne. Donc c'est un contraste entre des hommes en tenue, parce qu'ils étaient de la garde présidentielle, et le côté théâtral qu'ils avaient. Et donc ça a captivé. La prise de son étant de Mystic Jim. Ça a été pris ici, au Cameroun. Les arrangements et les additionnels ont été réalisés par Georges Sébastien, en France. Je refaisais des cuivres, je refaisais des chœurs, je mixais. Et c'est comme ça que je rajoutais des claviers. Les retombées d'une grande victoire de la musique camerounaise, c'est à Mendong 2, dans l'arrondissement d'Mfou, situé à la périphérie sud-est de la capitale Yaoundé, qu'on va les toucher du doigt. Ce samedi-là, c'est jour de fête chez les Zébéla et les préparatifs vont bon train. Ah, aujourd'hui, c'est ma fille aînée, Georgette, qui se marie. Après 30 ans d'une carrière militaire réussie et la jouissance des retombées d'une grande victoire issue du droit d'auteur, l'on ne peut être que fier de soi-même. Disque de platine en 2010 que nous avons eu avec Shakira. On remarque que vous êtes plutôt bien installé. C'est l'agent de Sony, de Shakira. Mais c'est vrai, on peut voir Shakira aller s'installer dans un bar. Mais moi, j'ai pensé qu'il y a un lendemain, vous allez voir là-bas derrière, il y a des maisons beaucoup plus élevées. C'était juste après l'épisode Shakira. Oui, bien sûr. Ça, c'est le chemin aussi là. Hein. Toutes ces maisons derrière là. Le désormais patriarche Vogonkwe peut alors s'estimer heureux de vivre une retraite paisible. Je suis paisible, sauf que je commence à avoir des coups de maladie. Ah, c'est la dernière. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé entre Shakira et votre papa? On disait, elle a repris le morceau de ton papa a reçu tant, ton papa a reçu tant. Je vois que l'international. Sankalewa. Juin 2010, l'Afrique accueille pour la première fois une phase finale de Coupe du Monde de football et c'est en terre sud-africaine, chez Nelson Madiba Mandela, que la fête a lieu. Comme dans les éditions précédentes, la compétition se dote d'un hymne officiel. La chanson produite par Sony Music est chantée par Shakira. Dans le refrain, il y a comme un air de déjà le refrain de la célèbre chanson Zangalewa, publié en 1986. Zangalewa fait l'objet d'un plagiat. 12 ans après, Jean-Paul Zébéla se souvient. C'est une journée qu'on n'oublie pas. J'étais à la retraite, je viens de prendre ma retraite, essentiellement vers les minuit. Et pendant, j'attends le téléphone sonner. Je réponds. Quelqu'un me dit d'Allemagne. Mes félicitations, monsieur Zébéla. Monsieur, mes félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, votre chanson a été interprétée par Shakira pour la Coupe du Monde. J'ai dit, non, vous voulez vous moquer de moi? Personne ne m'a contacté pour un truc de ce genre.
Il me dit, c'est moi qui le dis, c'est en Allemagne. Et après, il me dit, bon, est-ce qu'il peut trouver un avocat pour moi? J'ai dit, un avocat même pour quoi? Même si c'était pour rien, si c'est vrai, même si c'était pour rien, j'allais accepter. Parce que c'est une autre dimension, la Coupe du Monde déjà. Et en plus, Shakira qui interprète notre chanson. Vous aurez beaucoup d'argent, Zébé. Partagé entre fierté et surprise, il nous raconte comment on est arrivé à l'impensable rapport Shakira, Zangalewa, Coupe du Monde. Elle dit qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas chanter en africain. À moins qu'elle interprète. C'est comme ça qu'on la voit dans les prospecteurs en Afrique, dans la liste des prospecteurs. C'est Shakira même qui choisit sa mère. Ils avaient besoin de faire une chanson pour la Coupe du Monde en Afrique et il fallait un timbre africain. C'est pour ça que nous sommes retrouvés là. C'est une joie pour le Cameroun. Le paiement s'est-il fait tout de suite? La Coupe du Monde a eu lieu en juin 2010. On a été payé le premier traite en septembre. Depuis ce temps-là, ils nous payent. Donc, après 3 mois, nous avons... C'est indiscret de savoir combien vous payez tous les 3 mois? Non. Mais ce n'est plus la même chose qu'au mois de septembre. Ça diminue aussi. Et ce sera comme ça toute votre vie? Tant que le disque vit. Les retombées du succès de la reprise de la chanson Zangalewa n'ont pas fait que des heureux. Certains membres du groupe affirment ne rien percevoir. Zéro centime. Dans le groupe, il y avait les animateurs. C'est ce qui s'est passé. Il y a des gens là-dedans qui n'étaient pas, qui n'ont pas intervenu dans Zangalewa, mais qui voulaient avoir comme Zébila. On a déclaré que je ne faisais pas partie des Zangalewa. J'ai compris que bon, ok, c'est pas grave. L'argent, c'est rien. La chanson Zangalewa a été interprétée ou reprise par une dizaine d'artistes ou groupes de musique, comme Didier Awadi dans l'album Sunugal, sorti en 2008. Magic System, en partie sur le titre La danse des magiciens, tiré de l'album Tout est calé. Les Zangalewa, c'est aussi Casque colonial. Et après, il se gâte avec Ibobolofia, il se retrouve avec Music Store pour Casque colonial qui est arrangé par Tom Jones. Touche pas mon casque colonial. Makrita. Moi je vais marcher partout pour chercher Makrita. André Destendenga. C'est discrètement le 11 mai 2011. Kojedi Emile vit aux États-Unis d'Amérique. Jean-Paul Zébela est mort le 15 janvier 2023 à un fou, de suite de maladie. Malgré tout, Joe, c'est toi qui m'as tenu la main. Voilà pour les années 80, mais c'est pas fini. Dédié Yongo, quand vous regardez aujourd'hui la musique camerounaise, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a régressé? Chaque chose a son temps et chacun fait son temps. Mm. Ouais, aujourd'hui, je ne suis pas un conservateur du genre à rester nostalgique. Oui. Oui, comme les gens le disent souvent, oh, vos chansons, vous faisiez ceci, on ne peut pas comparer des générations. Le Cameroun était un pays bourré de talents. Ok. Histoire de Dédié Yongo, épisode 2. Là, on repart sur vous. Ouais. Dès l'âge de 5 ans, vous chantez déjà à l'église du village, où votre papa était pasteur, évangéliste, vous l'avez précisé tout à l'heure. À 16 ans, vous faites la rencontre d'un guitariste. Et du coup, la guitare devient votre jouet préféré. C'est donc, ça. Ouais. Et à quel moment vous allez abandonner vos cahiers pour la guitare? Je fréquentais ici au lycée technique. À l'époque, c'était le CETIC, hein, jusqu'en 3e année. Mm-hmm. Donc, je suis parti de là parce que je voulais faire la musique. Je savais que si je reste ici, je ne pouvais pas percer. Donc, et ma tête était dans la musique, mon esprit, mon âme et tout cela. Donc, j'étais obligé d'abandonner. Alors, la famille va être sur le choc, sauf Blandine, votre sœur aînée, qui va croire en vous. Blandine m'a ouvert les portes de sa maison. Donc, quand j'arrive à Douala, j'ai habité là-bas 2 mois.
Et après, j'étais dans la rue. Lorsqu'il arrête ses études en classe de 4e et qu'il décide de s'investir dans la musique, la première personne qui lui fait savoir qu'il s'en raté, c'est bel et bien sa mère qu'il aime tant. Il va devoir cravacher dur, s'installer à Douala et essayer de trouver sa voie. Il rêve à l'époque de bosser avec Toto Guillaume et Émile Canguet. Mais malheureusement, il n'aura ni l'un ni l'autre. Toto Guillaume s'est installé en France et Émile Canguet le snob quelque peu. Il va devoir s'adapter et se contenter d'être le remplaçant de Moi les gens à la guitare des Black Steel et de fricoter avec un Coty François qui devient pratiquement un parrain pour lui. Wow. Alors, il connaît mon histoire, le monsieur. Oui, c'est, en fait, c'est ce qui s'est passé. Toto Guillaume était l'un des, était le meilleur de sa génération. Je voulais être comme lui. Et je me suis dit, je ne vais pas le rencontrer ici en Consamba, mais voilà, aller à Douala, là où il vit. Et comme Eric le disait, j'arrive au moment où Toto vient de partir. Il vient de quitter le Cameroun, ça faisait peut-être 2 ou 3 mois. Donc, du coup, les Black Steel étaient le groupe que j'admirais le plus. Oui, oui, donc, j'étais toujours autour de Black Steel, autour de Mermoz, dehors, à travers les fenêtres, quand je les voyais jouer. Et puis bon, comme il l'a dit tout à l'heure, à l'âge de 18 ans, parce que j'avais, je crois, 18 ou 19 ans, j'ai tenu à rentrer au Mermoz. Tu ne pouvais pas rentrer, le portier me bloquait tout le temps. Mais bloqué tout le temps. Et j'ai décidé comme ça, j'attends d'attendre les stars sur le trottoir. Comme ça, au moins, je vais leur dire un mot, qu'ils comprennent que je suis un musicien, j'ai envie d'être comme eux. Voilà. Et comme il a dit, il y a Emile Canguet qui est entré, j'ai parlé quand même en patois. Bon, comme il a dit, il m'a snobé. Et j'étais abattu. Je viens voir, Toto Guillaume n'est plus là. Et Emile Canguet qui ne me reçoit pas. Donc, je reste abattu devant l'entrée des Mermoz et c'est Coty qui descend du taxi, François Coty, et je vais vers lui. Alors, il marchait en m'écoutant quand même. Ah, tu joues à la guitare? Oui. Donc, ça m'a permis d'entrer. Okay. Le portier ne pouvait pas me bloquer parce qu'il a vu que je discutais avec Coty François. C'est ainsi donc que j'entre au Mermoz ce soir-là. Oui. Et maintenant, le portier, lui, me connaissait déjà. Donc, chaque soir, je venais là, et je m'asseyais, je regardais. Et puis, un jour, j'ai vu Coty chuchoter à l'oreille de Moi les gens, qui était un excellent guitariste. Il dit, le petit là, il dit qu'il joue à la guitare. Si tu veux prendre un break, peut-être essaye à la guitare. Et donc, à un moment donné de la nuit, vers les 23 heures, minuit, il engage une chanson d'un Coty qui était déjà sur scène et il me demande si il me fait tu sais jouer. Il dit ben viens, c'est comme ça que je vais sur le podium et je porte la guitare. Un Coty n'a même pas su que c'est moi qui jouais. Ouais, donc rien n'a changé parce que j'ai joué les mots et les gens comme si c'était eux-mêmes quoi. Ouais. Et c'est comme ça que je deviens donc proche en Coty et j'ai fait je crois presque 1 an avec eux. Oui. Donc au-delà de venir jouer au Black Steel, parce qu'à chaque fois, il faut le dire, c'est-à-dire, je sortais la nuit, j'ai 18 ans, 19 ans. Donc, je suis toujours, on me rafle tout le temps. C'est tout le temps qu'il y a les rafles, on prend des enfants, on nous met en cellule, tu fais 2 jours, tu ressors. Donc, j'avais peur déjà de me déplacer la nuit. Mais heureusement qu'un Coty et moi, on était devenus très proches. Donc, j'étais à la maison tout le temps, je venais le matin. Comme il dormait tard, il se lève peut-être à 11h ou à 13h, j'ai déjà fait la vaisselle, j'ai déjà lavé la maison, donc j'étais un garçon de maison. Et puis quand il a une minute, on se met à jouer à la guitare, je prends sa guitare et il se met à chanter. Donc c'est ainsi que j'ai fait d'ailleurs des maquettes comme Retraite en Bamba. On est en 1979 et je vous dis Kamboubé, ça vous fait penser à quoi? 1979, Kambobé. Oui. Alors, je vais ajouter une autre information. Garde républicaine. Ah oui. Ah d'accord, oui. Oui, c'est vrai que j'ai été recruté avec Do Zangalewa. Oui, c'est vrai. Do, il habitait Bonapriso et notre génération, on se connaissait. J'étais guitariste. Oui. Et Do Zangalewa était
bassiste dont nous avons été recrutés en 1979. C'est pour ça qu'ils vous appellent toujours classe. Classe, voilà, ouais. Ah oui, vous avez fait la recherche. Même les Ebella, hein, oui. Ouais, chaque fois qu'on s'est vu, oui, j'étais supposé être gendarme, ouais. Alors en 1980, vous devenez le guitariste de tous les grands noms de la musique camerounaise. On va citer Sanfran Thomas, Missingo François, Pedan Dalé, Assel Mounawi, de Bendeka, d'Ashanti Tokoto. Oui, oui. Je me rappelle à l'époque, j'habitais Bipanda, une chambre en carabot, je louais 3000 francs le mois. Quand tu arrives à Bipanda, Omnisport, tu vas plus loin. Et c'est une pente. Donc, je racontais cette histoire à quelqu'un, à des enfants, c'était avant-hier. Chaque fois que un artiste venait me chercher, quand il pleut, il est obligé de glisser, de s'éteindre comme ça, mais il n'y a pas de téléphone. On voyait des artistes passer et ça, ça m'a donné une popularité au quartier. Et subitement, tous les enfants des grands veulent être mes amis, parce qu'on voit des artistes passer. Ils vont où ils vont chercher un petit qui habite dans une chambre en carabot là-bas. Il est guitariste. J'ai rencontré Didier Yango au début des années 80. C'était un jeune musicien, instrumentiste, guitariste de son état, qui accompagnait les artistes de renom de la place. Je le vois pour la première fois déjà quand il accompagnait Dinabel, qui sont venus en concert ici. C'est ainsi qu'en 1983, il a sorti son premier album, Neringa. Ouais, c'était ça. Je crois que c'était 1983. En 1984, vous partez du Cameroun pour la France. Pourquoi ? À la recherche d'un producteur ? Oui, à la recherche d'un producteur. Parce que c'était difficile, puisque les gens me connaissaient comme musicien. Mm-hmm. Oui, donc du coup, personne ne croyait que j'étais un bon auteur-compositeur. Okay. Voilà, donc tous ceux que j'ai eu à contacter à l'époque, comme j'ai parlé d'Alaji Touré tout à l'heure, ils ne croyaient pas à ma capacité de bon auteur-compositeur, même chanteur, puisque j'étais guitariste. Et à l'époque, il y avait peu de producteurs. Ils étaient peut-être au Cameroun, il y avait Africa Wumba et il y avait Tamwo Record. Tamwo Record a voulu me produire. Bon, j'ai attendu un an, ça ne s'est pas réalisé. Et j'avais déjà un contrat avec lui. J'ai profité de ce contrat pour avoir des visas et partir. Bon, partir où ? À l'inconnu, hein, toujours. Oui. Donc, je partais comme ça. J'avais deux objectifs. Soit devenir un musicien de studio, aller à l'école de musique, ou alors produire mes propres albums, enfin, sortir mes propres albums. C'était mon objectif et c'est comme ça que je suis parti. Vous partez et vous dites au revoir à Pénard d'aller. Oui, j'ai dit au revoir à tous ceux que j'accompagnais. Okay. Oui, donc je suis parti voir Dinabel, je lui en ai parlé, il m'a dit au revoir, d'aucuns m'ont découragé. Les Pierre de Moussy m'ont dit, est-ce que tu es sûr, tu es le meilleur guitariste ici, tu accompagnes tout le monde, que la France n'est pas comme vous croyez. Okay. J'ai dit, je dois partir, je voulais quand même vous dire que je pars. Et la dernière personne, le soir, a été donc justement Pénard d'aller. Et le contact de son cousin qui est Kwesilo. Okay. Oui. Donc, il vous donne son contact. Ouais. Vous arrivez à Orly. À Orly, exactement. Vous avez 150 000 francs. Oui, c'est ça. C'est pas ça. De monnaie pour appeler. Tout à pour fait. Pour faire savoir que voilà, vous êtes en France. Ouais. Et c'est le seul contact que vous avez. C'est le seul numéro que j'avais. Ouais. Et il y a une dame qui va vous aider. Oui, une blanche qui était au téléphone. Hein. C'est pas quand. C'était oui. Même pas. Oui. Genre, elle vous aide, ouais. Vous appelez. Et en bon garde-con, j'ai envie de dire. Non, un bon sawa, ouais. Un bon sawa, vous n'allez pas baisser la garde. Ouais. Donc vous allez faire comprendre que voilà, vous allez descendre à l'hôtel, vous voulez juste lui faire savoir que voilà, vous êtes là et que ce serait bien que vous ayez le temps de discuter et de vous voir. Il vous dit, ok, non, il va venir vous chercher. Tout à fait. Et dans la voiture, vous lui faites écouter des maquettes. Il va être totalement séduit. Mm. Et va vous proposer là sur le coup de vous héberger. Ouais. La question c'est où est-ce qu'il devait vous déposer ? J'avais pris des informations au niveau des auberges qui coûtaient à l'époque 5000 francs okay. La journée. La journée. Et oui. On est en 1983 et je savais que pour un plat de frites au poulet c'était 500 francs CFA. Donc j'avais toutes ces informations. Okay. Donc j'ai essayé d'évaluer avec mes 150 000 francs, je savais que je pouvais passer 3 semaines. À l'auberge. Donc ça, c'était pas... Je racontais pas des choses avec Kwesilo. Okay. Je voulais revenir sur un point. Lorsque j'arrive à Orly, oui. mon idée, c'était pas... Je n'allais pas voir Kwesilo. Okay. Ouais, mais quand je sors de l'aéroport après avoir ramassé ma valise,
je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. C'est là où les questions commencent. Il fait froid, je suis habillé léger parce que je n'ai pas d'informations, j'ai vraiment froid. Donc je commence à réfléchir, je dis, ah oui, tiens, Pinda m'a donné un numéro. Ouais, je vais essayer de l'appeler. Donc, heureusement, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a une Blanche qui était au téléphone, elle a vu que je voulais appeler, que j'étais perdu en fait. Puis elle me dit, vous voulez passer un coup de fil? Je dis oui. Faites voir le numéro, je montre le numéro, je dis, c'est dans la région parisienne, je peux appeler. Vous avez la monnaie? Non. Je dis, allez, elle a appelé. Et heureusement que Silo était là. Donc il fallait que j'introduise immédiatement pour lui dire, je ne viens pas rester chez lui. Okay. Voilà, je veux tout simplement qu'il m'aide à trouver un endroit. Okay. Pour payer les 5000 francs. Oh. Oui, oui. Et lui dire que j'étais bon. Heureusement, quand j'appelle, il connaît le nom parce que j'accompagnais tout le monde. D'accord. Il connaît le nom. Il dit Didier Yango. Je dis oui. Le guitariste, je dis oui. Vous appelez du Cameroun? Je dis non, je suis à Orly. Mm. Et donc, j'explique ce que je voulais. Il dit ok, bon, écoutez, je n'ai pas de voiture. Mais je vais chercher quelqu'un, je vais chercher un ami. Oui. Ouais, pour m'accompagner. Et donc, rappelez-moi dans 45 minutes. Voilà. Et je lui dis, je n'ai pas de monnaie. Il dit, vous êtes placé où j'indique un tout petit peu. Il dit, regardez derrière, vous pouvez faire la monnaie ouais, pour me rappeler. Okay. Voilà. Donc, j'ai vu un bureau d'échange et j'ai échangé, je crois, c'était 10 000 ou 20 000 francs. D'accord. Donc j'avais la monnaie pour rappeler. Et oui, oui, donc je l'ai rappelé une heure du temps après. J'étais sûr qu'il ne va pas prendre. Hein, okay. Parce qu'on m'avait déjà dit, dès que des services, il ne faut pas demander. Et il prend le. Il dit, Ndidi Yango, j'ai dit oui, ok. Vous êtes toujours au même endroit, oui. Ça va nous prendre 45 minutes, une heure. Je viens avec un ami. Okay. Nous sommes habillés en par-dessus. Il a décrit un peu comment ils étaient habillés. Et j'attendais. Il faisait vraiment froid. Bon. Et quelques 45 minutes, une heure, je vois deux bonhommes qui arrivent. Tu sens que c'est les Sawa, très bien habillés, barbus et tout. Je me dis, ça doit être eux-là. Et ils sont venus, c'est Didier Yango, oui, et Kwesilo. Il présente son ami qui était Isakai Kwala. Ok. Voilà. Je dis, ah oui, le producteur de Belanjo, le producteur de Marthe Zambo, le producteur dont je commence à voir, je dis, c'est ce genre de personnes que je cherche. Ouais, ouais. Donc, c'est ainsi dont nous sommes partis de l'aéroport. Et puis, on arrive à un moment donné, Isakai qui demande, monsieur, à l'aéroport de Bouandi Mbenga, qu'est-ce que tu es venu faire en France? J'ai dit, je souhaite faire l'école de musique ou encore accompagner les gens en studio ou chercher un producteur et tout ça. Il dit, as-tu compos? Je dis oui. Tu as une maquette? Je dis oui. Tu peux donner, on écoute. Et à l'époque, la maquette, c'était une guitare, une voix. Ce n'était pas aujourd'hui où tu écoutes tous les instruments. Ouais. On te juge sur la voix et la guitare. Donc j'ai dit, c'est dans la valise, il gare. Et puis je retire la cassette. Donc il met première chanson, il dit rien. Deuxième chanson, il dit rien. On arrive à un niveau. Douala lambenge timbala jedu amuto osi majape umbo ango. Douala lambenge timbala jedu amuto osi majape umbo ango. Donc, au fur et à mesure que ça chantait, il regarde Silo. Il dit waouh, oui, Singamou Mwenge, tu écoutes ces chansons, c'est une belle chanson, il compose bien. Alors, tu cherches un producteur? Tu as dit? J'ai dit oui, grand. Il dit je peux te produire? J'ai dit quelle question, grand. Mais, je peux te loger? J'ai dit quelle question. Donc, c'est ainsi qu'il dit à Silo, bon, écoute, on va tourner à gauche pour aller à Drancy, dans l'appartement de Drancy, on va le loger là-bas. C'est comme ça que ma vie commence en France. Voilà. En 1985, c'est le succès, il est enfin au rendez-vous, puisque avec un magnifique album par Isakai Kwala, dont on parlait tout à l'heure, Service Libre. Un an plus tard, en 1986, vous allez lancer notre bombe. C'est la consécration en 1987 avec une autre bombe. Un tube qui traverse les frontières, spectacle au Gabon, en Guinée équatoriale, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Kenya, en Zambie. J'étais satisfait parce que c'est ce que je recherchais, être célèbre hors du Cameroun. Cette chanson-là qui a traversé le temps, je crois qu'il n'y a que des génies de la dimension de Ndidi Yango pour pouvoir réussir un tel coup d'exploit. Ma
même son excellence Paul Biya a parlé de lui, parlant du morceau « Je m'en suis calculé ». Vraiment, c'est cette chanson qui m'a fait wow. Maman et Doudou savent que l'amour n'existait jamais. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris que l'amour n'existe jamais. Oh lolo. Tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. Aïsiginde, aïsiginde, mon aïsiginda, dolo et titi longue. Oh lolo. Et elle m'a bercé, elle a bercé ma manière de voir la musique. Tu n'as pas compris. Quand on écoute du Mons calculé, on pense qu'il a de vagues connaissances de la langue de Shakespeare, mais il n'en est rien du tout et il va s'en rendre compte lui-même de façon tout à fait honteuse face à une très grande personnalité d'Afrique de l'Est qui est fan de sa musique, qui l'interpelle sur You Must Calculer, et lui tout béatement il répond You Must Calculer, preuve magistrale qu'il ne comprenait que dalle. J'étais invité par le président de la République zambienne et lors de la cérémonie il voulait me parler mais on ne peut pas communiquer, donc il me dit You Must Calculer. Donc c'était un peu ça. You Must Calculer. Dès que j'ai eu ma production avec Sakoi Kola, il est rentré un jour à l'appartement, il me dit bon, ton album est sorti, il a amené des albums qui étaient... Je lui dis, je vais rentrer. Il dit, comment ça? J'ai dit, non, parce que je devais aller faire la promotion de mon album. Il m'a dit, mais tu m'as dit, tu venais vivre en France. Je dis, non, je rentre voir ma maman. Ma maman ne sait pas où je suis, il n'y a pas de téléphone. Et en 1989, trois ans plus tard, une autre bombe sous le... Botingo. Partout. Vous méritez plus que jamais votre nom de prince. Un nom qu'un impresario vous aurait donné lors d'un concert scolaire ici, même En Consamba, au club municipal. En 1991, une autre bombe. Aliment ne te fait pas de chagrin. C'est tout le monde qui a des problèmes. Dans cette chanson, il dit on a tous des problèmes. J'adore Ndedi Eyongo, franchement. Tu me vois souvent rouler dans des grosses voitures. On parle de moi partout, n'importe quoi. Mais la vraie version, c'est celle que tu auras vécu près de moi. Pour mieux me connaître, viens vers moi, tu sauras qui je suis. Copo. Notre bon copain. J'aime beaucoup comment Consamba est amené, c'est simple, c'est amenant, c'est entraînant. J'ai appris que Consamba était la troisième ville, c'est ce que j'ai entendu pendant que je grandissais. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un Consamba soit délabré, qu'un Consamba soit à ce niveau, oui. Donc, j'ai voulu m'exprimer. Consamba, Consamba, Consamba. Je suis née en Congo, grandi en Congo. Toutes mes choses se sont passées en Congo. Bref, quand il a chanté Consamba, c'était émouvant pour moi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un Consamba a fait et puis vous détestez Consamba au point où vous ne construisez pas Consamba. Les doyens, Consamba vous a fait quoi? Chanson préférée de vous? Je suis mal placé pour choisir parmi mes titres. C'est comme si on choisissait parmi ses enfants un enfant, oui. Ah, ouais, mais il y a des chansons qui ne sont pas forcément des chansons préférées, mais des chansons qui attaquent mon mental, quoi. Il y a des chansons comme ça. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Nous mis les téléphones, qui est une manière assez originale et poignante de saluer le génie traditionnel de son village. Pour moi, c'est sa plus belle chanson. C'est notre danse traditionnelle. Une excellente chanson qu'il peut vendre dans le monde entier.
Alors franchement, cette chanson-là, je l'adore. Ma préférence va également à Kwedi, qui est une chanson hommage à Théodore Didier Bikong, un guitariste, un de ses amis. Évidemment, il y a ce petit bijou, cette petite perle de duo avec Constance Mbassimanga, Koko Mbassi, si vous préférez. We'll see. We'll see, we'll see, tu m'as tout donné. Vous avez vraiment fait un bon casting des gens qui connaissent mon histoire. C'est, oui, c'est impressionnant. Quelles sont les cinq chansons ou artistes camerounais que vous écoutez? Soma Loba de Manu Dibango. Ngalatanda de Kambi Briand. Bina de Toto Guillaume. Le Mithil Wano de Nkodo Sitoni. À chacun sa chance. Salatiel, les locaux, ils sont nombreux. Nous avons l'habitude de donner la parole à un téléspectateur ou une téléspectatrice pour nous parler de sa chanson préférée. Je suis tellement amoureuse de lui au point où je dors avec lui. Je me couche avec lui, je me réveille avec lui, les anciens avec lui. Elle est passée l'époque de la cour de récré, où l'on se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque. Quand je fais mes livraisons, c'est avec lui. Pensons à mes amis, Michel, Bucolor, Fojan Loura, Nelly, Nanga et ma maman. Bisous. Mouah, je vous aime. Didier Yango, c'est difficile pour nous de choisir une chanson préférée dans notre répertoire parce qu'à chaque fois, ce sont des tubes. C'est que des tubes. Une certaine capacité à produire des tubes et il en a une légion, plus d'une vingtaine. Même quand il a disparu, un moment, il est revenu là. Après, il a quand même sorti « Si tu me manques, je te manque, si tu me trompes, je te trompe. » Avec celui qui va aller voir mes parents, c'est lui mon mari. Il y a des gens comme ça, portés par la grâce. J'aime toutes ces chansons. Il y a école d'amour. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec des lendemains près de lumière. Une chose est sûre, ma vie est faite pour toi. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer. Service libre. Voilà la bengue Simbala Yedou, Amuto. Salut les mariés. Salut les mariés, salut les mariés. Oui, aujourd'hui la mairie de mère de cuisine. Parce que ma maman aimait taquiner mon papa avec ça. Aujourd'hui la mairie de mère le parquet. Patou. Chacun arrive à son heure, il fait ce qu'il veut, travaille à sa guise, décide à son tour. On était loin d'imaginer. Nous on dansait la mélodie. On dansait la mélodie, mais on n'écoutait pas le message. Chacun arrive à son air et fait ce qu'il veut, menace à son tour, travaille à sa guise, décide comme il veut. Il y a tellement de tubes. Wow. Wow, c'est des bons témoignages. C'est flatteur. En 1993, vous décidez d'aller vous installer aux États-Unis. Pourquoi? Alors, cette idée vient après ma tournée. Ma tournée en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Hein. J'ai joué dans les stades, Boma Stadium de Nairobi. Je joue dans les stades en Zambie. Je ne peux pas parler. Je suis obligé de faire des signes du doigt quand je dois m'exprimer. Donc, j'étais très embêté et je me suis dit, d'ailleurs, c'est le moment d'aller un peu souffler et faire autre chose et apprendre l'anglais. Et le pays choisi, c'était le pays de rêve de tout jeune. C'était le pays de Michael Jackson. L'aventure américaine a été peut-être humainement porteuse. C'est là-bas qu'il a rencontré son épouse. Même quand il était aux États-Unis, il a produit plusieurs œuvres. Malgré son exil américain, il est resté fidèle au Makossa. Pour qu'il disait tout à l'heure, même si dans la qualité du succès, parce que j'étais absent, n'était plus la même production, le même. Mais
en qualité musicale, c'est, ça automatiquement, parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses, ça m'a permis d'être rapide avec l'outil informatique, faire des programmations, faire des arrangements, apprendre des musiques à l'école. Donc j'ai fait d'autres choses qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Peut-être que si j'étais resté sur place, je pouvais continuer à avoir peut-être beaucoup plus de succès, mais la qualité de la personne ne serait pas la même. En 1999, on aura la naissance de Preya Music. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et vous allez propulser pas mal de talents. Je vous donnerai des noms et vous me direz ce que vous pensez d'eux. D'accord. Jackie Kingé. À l'époque, quand je commence à produire, j'avais envie de trouver des jeunes qui avaient du talent et qui pouvaient apporter un souffle nouveau à la musique camerounaise, surtout qu'elle était complètement morte. Oui. Parce que quand j'arrive, je suis venu faire la promotion de Yougoupé et je constate qu'on ne jouait plus des musiques camerounaises dans des boîtes de nuit. C'était la musique ivoirienne, c'était la musique congolaise. Je suis arrivé au Cameroun, on était dans un cabaret et j'ai vu un jeune qui avait un timbre différent. On a besoin de cette voix dans le Makossa. Et j'ai demandé qu'on le fasse venir. Oui, quand il est venu, il n'en croyait déjà même pas à ses yeux que je le fasse venir. Est-ce que tu composes? Il m'a dit qu'il compose. Est-ce que je peux écouter quelque chose? Donc il m'a apporté une maquette de Moudengue. Et j'ai dit, ça c'est une très belle chanson, mais il te faut au moins deux titres. Et on a fait Patou, Patou Mabangimbae. Donc le côté français, c'est moi qui injectais des paroles et tout ça. Pendant que j'ai fini l'enregistrement de Jackie King, l'album n'est pas encore sorti. Je fais un tour à Yaoundé et ce soir-là, Katino est en train de jouer dans un cabaret de la place. J'ai été invité par des amis. Et il y a l'orchestre de Katino qui est en train d'animer. Ouais, je vois un jeune garçon qui fait trois titres. J'ai dit, waouh, bon, c'est le Bikoussi, peut-être je ne suis pas initié, je ne connais pas. Mais la voix, la mélodie et tout ça, j'ai dit, waouh, il chante super bien. Et c'est des voix qu'on n'avait pas encore dans le Bikoussi. Je lui ai donné le contrat d'aller voir des gens qui peuvent l'aider à interpréter le contrat et tout ça. Alors, il peut avoir, je me rappelle de l'histoire, il est donc, Tanus vient me voir à l'hôtel avec Tonton et Bogo, qui était le guitariste de Katino, et il part voir les pères qui est Ebogo et Méran pour lui donner le contrat. Voilà, il y a le père Didi Yango qui est là, arrivé, il dit qu'il veut nous produire. Et voilà le contrat qu'il a donné. Est-ce que tu peux lire? Il dit, mais attends, Dédé Yango veut te produire, tu apportes le contrat que je lise quoi? En plus, un Douala, comme on appelle, un Douala qui veut produire un Yaoundé, ben, va avec ce contrat, va signer le contrat très vite. Et la même histoire pour Longue et Longue. Longue, c'est un artiste très, très talentueux. Je le sais, je l'ai toujours dit. Oui, je l'ai toujours dit. Et lorsque j'écoute, j'ai écouté Ayo Africa. Oui, oui. Alors, aucun producteur ne voulait prendre le risque de produire Longue. Parce que, eux, ils voulaient que tous les artistes à l'époque, ça sonne comme de déjà entendu. Ils voulaient que ça sonne comme la musique zaïroise, congolaise ou encore de la musique ivoirienne. Oui. Mais moi, je produisais le talent. Je ne produisais pas des musiques commerciales. Donc, quand j'ai écouté Ayo Africa, c'était différent. Junior et Yango également, c'était la même chose. Junior a par contre souffert. Pour que je produise Junior, je veux dire, étant un enfant que j'ai élevé, étant mon neveu qui a grandi avec moi, j'étais très exigeant. Et c'était devenu une histoire de famille où un jour j'arrive au Cameroun, je trouve une réunion chez moi à la maison. Il y avait à l'époque, je louais une maison à ma famille. Donc, on me dit, on veut me parler. De quoi vous voulez me parler? Je dis, oui, voilà, comment tu peux être un producteur? Tu produis les autres et tu ne produis pas ton propre fils.
Je dis, vous voulez rentrer dans ma carrière, il n'y a pas de faveur dans ce que je fais. On a eu beaucoup de problèmes par rapport à mon premier album, avant la sortie de mon premier album, parce qu'ils ne voulaient pas mes produits. Et j'étais déjà à un moment remonté contre lui. Un jour, j'arrive au Cameroun, il vient à l'aéroport me chercher avec mon jeune frère Jean-Pierre Ripon, et ils mettent une cassette, ouais, ils n'ont rien dit. Donc on circule, on arrive à un niveau. J'ai dit, mais qui chante là? Ils se mettent à rire. Qui chante? On ne répond pas. Qui chante? Alors, après, on arrive à l'hôtel à l'époque. Et puis, Jean-Pierre me demande, mais tu n'as pas reconnu la voix? J'ai dit, non. Ne me dis pas que c'est Gignon. Il dit que c'est Gignon. Il dit, enfin! Donc, je vais te produire. Ma déception restait toujours le fait que je suis incompris. Oui, parce que j'ai rêvé plus gros que ça. Nous avons connu le problème camerounais. C'est celui de conseil des autres. Lorsque tu n'as personne, lorsque tu souffres, tu n'as personne. Oui. Dès que tu deviens quelque chose, tu as des avocats, tu as de la famille, tu as des oncles, tu as des tantes, et tout le monde se mêle dans ta vie. Et ça ne nous a pas aidés. Ça a été à l'origine des problèmes de Longuet et moi. Les artistes étaient intoxiqués. Oui, il fait de l'argent sur vous. Il n'y a pas un seul avec qui je n'ai pas eu de problème. Est-ce qu'il y a des artistes que vous avez refusé de produire parce que vous ne sortez pas la musique? Je prends le cas de Kopo. Ce n'est pas parce que je n'aimais pas ce qu'il faisait. Il y a ces jours pour l'eau, je savais qu'il avait du talent, même si j'ai refusé de le produire. Il a écouté, il n'avait pas validé. J'étais frustré, mais en même temps, je me disais qu'il a confessé lui-même qu'il s'était trompé sur Hugo Nyamé et sur Erico. Il me disait peut-être que je me suis trompé sur toi, beaucoup de courage. Bon, sur le coup, j'étais un peu frustré en disant mais oh là. Oh là. Mais ça arrive chez les producteurs. Hein. Je pense que même Achille Mbanga aussi avait confessé n'avoir pas senti X malaire. C'est moi qui devais produire Racine Sagaton quand ils ont fait quoi chez moi. Oui, c'était presque là, mais j'étais saturé. En 2000, vous revenez avec une Métamorphose, album acoustique. Oui. Pourquoi? Lorsque tu as passé la plupart du temps à jouer devant les Camerounais, où tu fais des musiques dansantes, où des gens chantent tes chansons. Tu arrives, tu fais des festivals, les gens ne répètent plus tes paroles, puisque c'est des blancs, c'est cela donc. Et je commence à chercher des styles qui étaient un peu plus adaptés. Ouais, ouais. Et puis je voulais, c'était aussi un défi. Pour moi, c'est le meilleur album d'ailleurs. Pour moi. En 2007, on tourne la page. Ouais. Au Cameroun, vous êtes fait chevalier de l'ordre de la valeur. C'est un monument de la chanson camerounaise. Il a réussi à rehausser la musique camerounaise. Une icône. Un artiste complet. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Même en amitié, il est vrai. C'est quelqu'un de très humble. Il échange avec tout le monde. Gentil avec ses frères d'Infosamba. C'est un fils de la ville et nous l'aimons. Pour son défaut, c'est la perfection. Quand il prend une décision, c'est ça. Waouh. Merci, c'est émouvant. Aujourd'hui, vous êtes un brillant homme d'affaires. Vous êtes le PDG du groupe Eyango Business, SAL, créé en 2011. Avec la piraterie, la musique, on ne pouvait pas. On investit, on n'a pas de retour sur investissement. Donc, j'ai décidé comme ça de faire autre chose, faire dans l'entrepreneuriat. Donc, quand j'ai créé le groupe Eyango, c'était d'abord dans les marchés publics. Oui, en 2011, on a fait construire beaucoup de salles d'ailleurs, le lycée de Bonadoumbé, l'école primaire de Bonamoussadi. Il y a beaucoup, donc on faisait dans la construction des marchés, des salles de classe, des travaux publics, et tout cela, oui, jusqu'à un certain niveau. Et puis, à un moment donné, nous sommes rentrés dans l'animation du marché, oui, donc dans le placement de personnel, et puis les BTL, c'est-à-dire faire le marketing, oui, voilà. Et aujourd'hui, au-delà de tout ceci, nous sommes dans la distribution de la biopression. Nous avons été dans vos locaux, Adola. Oh, oui, on me l'a dit. En tant que patron, il est très difficile. Monsieur Ndedi Yango est un patron assez rigoureux, très proche de ses employés, très attentionné. Il a ouvert un complexe le Montagnard au niveau de Consamba. Je suis très impressionné par, par la gestion de son temps. Je manque les mots pour dire ce qu'il est en fait, mais c'est quelqu'un de bien. Alors, Ndedi Yango, vous avez l'allure
d'un bel jeune homme de 40 ans. Ah, oh là là. Vous faites pour garder, c'est quoi votre secret de jouvence? L'état d'esprit. Il y a un suivi permanent que je fais dans ma vie. Oui, la rigueur, je ne suis pas dans les excès. Vous me verrez pas dans des boîtes de nuit. Il a une hygiène de vie. C'est le sport. L'hygiène de vie. Il mange un peu. Je mange pas à ma faim. C'est-à-dire, même quand le repas est très bon, je limite. Parce que quand vous aimez la nourriture, ça se voit sur vous. Hein. Quand vous mangez beaucoup, ça se voit. Le cameraman est un peu déri. Ce qui a fait tâche dans votre parcours, eh bien, c'est votre aventure dans le droit d'auteur. Mmh. En, le 3 novembre 2013, vous êtes président de la SOCAM face à Roméo Dica. Et vous allez être destitué. Mmh. Et à ce moment-là, on dit, en fait, vous ne pouvez pas l'être parce que vous avez une double nationalité. Prétexte, oui. Ce que je n'avais pas compris, c'est que je ne savais pas que c'est tout le système qui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont embrigadé le droit d'auteur et ils ont pris ça comme métier. Et ils ont réussi à avoir des associés dans l'administration, dans l'appareil gouvernemental pour contrôler l'argent des artistes. Donc, c'est la seule chose qui m'échappait. Avant que nous allions aux élections, en novembre 2013, tous les artistes utilisaient déjà, enfin, ceux qui étaient en compétition avec moi parlaient de ma nationalité. Tout le monde savait que j'avais la nationalité américaine. Je n'ai pas honte de dire que j'ai la nationalité américaine. Si c'est ça qui peut empêcher que je ne serve pas le Cameroun, il n'y a pas de problème. Madame le ministre à l'époque, qui est Tutumuna, a appelé les 6 candidats. Et elle nous a dit, je ne veux plus que vous parlez de la nationalité, monsieur Désiré Yango. Ça, nous sommes encore en octobre. D'accord. Oui, oui. Aller aux élections et que le meilleur gagne. Sauf qu'on n'attendait pas que je pouvais gagner parce qu'ils savaient qu'ils contrôlaient avec son candidat. Ils avaient les artistes. Et d'ailleurs, il a dit, vous ne pouvez pas gagner parce que vous ne connaissez pas le milieu et tout ça. J'ai dit, madame le ministre, les artistes ont besoin de changement. Les artistes ont besoin de quelqu'un qui les dit la vérité. Ils ont besoin d'un modèle, de quelqu'un qui peut les faire rêver. Et vous pouvez être surpris le 2 décembre, le 2 novembre. Madame le ministre m'a fait venir pour dire, monsieur le président, vous devez travailler avec elle, avec le candidat dont vous avez cité le nom, qui a échoué, qui a été battu à plate couture. Et de deux, qui était déjà dans l'appareil de droit d'auteur depuis très 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 longtemps, mais on me demande de travailler avec, j'ai dit non. Et de deux, elle ne voulait pas que je fasse le tas des lieux. Je n'appelle même pas ça les audits. Hein. J'ai dit, je voulais juste faire le tas des lieux. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez mettre des gens en prison? J'ai dit, non, madame la ministre. Mais je veux tout simplement connaître ce qui s'est passé et qu'on puisse établir des responsabilités. Elle a été contre. Donc, il fallait maintenant qu'on utilise ce qu'elle elle-même a dit hier. C'était contredit en disant que non, bon, comme vous ne voulez pas écouter, voilà ce qui va se passer. J'étais averti. Sauf que je n'ai pas voulu négocier. Il faut que ce soit clair. Okay. Ouais, on a eu des réunions et des réunions. Je ne pouvais pas venir. D'ailleurs, j'ai dit à madame le ministre, je suis venu dans le droit de l'État pour chercher de l'argent. Je voulais trouver un moyen que les jeunes vivent ce que nous, on n'a pas connu. J'ai été un acteur capital pour la création de la SONACAM. Ouais, donc, l'équipe qui a été sur pied, l'équipe des 100 fantômes, tout a été fait par moi. Le deuxième PC après San Fatoma de Sonacam, c'est mon équipe, c'est Até Bazor. Mm-hmm. Oui, à l'époque, nous avons travaillé pour qu'il soit là. Donc, je peux pas trouver, je trouve pas ça comme une fausse note, que ce soit la FECAFOOT aujourd'hui. Vous voyez que Samuel a une d'autres nationalités, non? Mais ils sont là alors que la loi n'a pas permis. Donc, ça dépend des intérêts des uns et des autres. Des artistes qui ont trahi, c'est-à-dire ils ont trahi les frères en travaillant avec des artistes. Les enveloppes qu'on prend, vous entendez, quelqu'un a pris tant, il distribue entre les membres du gouvernement pour se protéger. Le jour que l'État va dire qu'aujourd'hui, stop, le droit d'auteur va marcher. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Sam Bédé? Lorsque vous insistez pendant longtemps, pendant plus de 30 ans, dans la même chose, ça veut dire que vous n'avez pas une autre carrière. Les Camerounais doivent se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mêmes noms pendant près de 30 ans dans le droit d'auteur? Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez connu Cameron Nandjou? Je l'ai vu quelquefois, connaître, non. Avec le concours d'Harold Keshe, nous allons repeindre le parcours de cette étoile filante.
Gabriel Mandip est né dans une famille modeste. Il grandit dans la ville de Bangangté où sa mère vend les beignets pour élever sa progéniture. Le jeune garçon se passionne très tôt pour l'humour. Il écume les kermesses. Il n'est pas rare de le voir prester au festival Medjumba à Bangangté. Au collège Saint-Jean-Baptiste où il poursuit ses études, il tient l'aumônerie et s'évertue à faire rire ses camarades. Un distilleur de la bonne humeur. Son cursus scolaire le conduit à Douala où il sera nanti d'une licence en sciences économiques. Son parcours à l'université est toute une école. Il va explorer de multiples talents. Celui qui se fait appeler Sexy Choco passe une bonne partie de son temps au lieu d'Imam Olivier à l'intérieur du campus. Il s'investit fortement dans les activités culturelles. Il participe à des compétitions telles que Challenge Vacances dans la catégorie danse. Parallèlement à ses études, Gabriel effectue plusieurs petits boulots. Il est notamment DJ dans les clubs de la place. C'est par ce biais qu'il développe son talent de faiseur d'atalakou. Il est alors régulièrement sollicité pour animer et égayer les événements festifs, anniversaires, mariages et autres. Ses débuts ne furent pas faciles. Toutefois, humble et respectueux, il avait l'intelligence d'approcher ses aînés pour apprendre. Il va apprendre et grandit notamment aux côtés de son confrère Gato International. L'identité remarquable de Gabriel Mandip est qu'il a intégré la langue Medjumba dans son art. Le Medjumba, qui est la langue parlée par Dieu, c'est une langue qu'il faut valoriser. Langue qu'il maniait avec aisance et originalité. Rien a priori ne le prédisposait à une brillante carrière dans le domaine de l'humour. Mais Gabriel Mandip a forcé sa destinée. Il croyait fortement en lui et en sa bonne étoile. À force de travail, de persévérance et d'inventivité, il a réussi à se hisser. On l'a vu figurer dans plusieurs clips, dont le fameux Coller la petite de Franco, où il joue le rôle du portier d'un snack. Mola, il fallait rester chez toi. Le boom des réseaux sociaux avec des plateformes comme TikTok ont largement contribué à lui donner une certaine notoriété. Tout d'abord, même si c'est comme si on peut pas chez vous, tu bois que la sauce, mais tu as le gros cœur. Ses contenus humoristiques deviennent viraux et inondent la toile. Kader, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des cadeaux souvent empoisonnés dans la vie. Il était polyvalent, homme aux multiples talents, un atout non négligeable. Et c'est aussi essayé à la musique, notamment à travers les titres C'est grave ici, en featuring avec Papy de Petit Pays. Tu étais là, en featuring avec Segui. En qualité, quantité, j'ai validé à tes côtés, je reçois les honneurs. Ou encore, je ne suis pas maudit. Il a même été chroniqueur au sein de l'émission C'est comment, diffusée sur Canal 2 International. Tu as un sourire large comme un format A4. C'est comme si ça avait tes lèvres qu'on a fabriqué le bisou qu'on utilise souvent sur WhatsApp là. Gabriel Mandip a aussi eu le mérite d'encadrer et d'accompagner de jeunes humoristes, parmi lesquels on peut citer Zizou. Vois sa démarche, manque de vitamine D. C'est dingue. La moitié de l'idée ici là. Le vieux. Né le 21 août 1990, il meurt le 15 juin 2023 des suites d'un accident de circulation sur la route nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. Je suis arrivé très tard dans la nuit. La fatigue a fait fini. Dis-lui que tu m'appelles. Tu m'as promis que tu me reviendrais vite. Dis que tu as dit la Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Repose en paix, Gabriel, et que la terre de nos ancêtres soit légère. Dédié Yango, est-ce qu'il y a un nouvel album en vue? Je suis en train de travailler sur quelque chose pour cette année quand même. On est déjà à plus de 6 titres, même s'il faudra sortir des singles. Il y a des featuring, il y a des... Salatiel et Kossi. Oui, j'aime bien, j'aime ce que fait Kossi, qu'il fasse le featuring avec moi dans cette nouvelle aventure. Et on en a parlé, ils sont tellement excités. Il y a des artistes qui ont subi énormément de boycotts de là-bas. Oui, j'ai comme l'impression que nous nous perdons dans nos combats. Boycotter les artistes n'a aucun sens. Obliger quelqu'un à avoir ta position ou encore choisir le camp que toi tu as choisi, c'est la dictature. On ne peut pas obliger les artistes à devenir des politiciens, à choisir des partis ou à critiquer tel ou à appartenir à tel. Non, on ne peut pas faire ça. Dans aucun pays au monde, je n'ai vu ça. Dites aussi aux footballeurs de ne plus jouer pour le Cameroun, puisque ces footballeurs, à chaque fois qu'ils jouent, c'est l'image de l'État et de ce gouvernement qu'on profuse. Je profite comme ça pour dire
aux leaders de certains partis de prendre les responsabilités. Le prince Didier Yango, grand. Le 1 des 1. Le King Mwankoum. Mon tonton chéri. Le roi Mwankoum. Boss. Tu es un homme bien. À vos côtés, j'ai beaucoup appris. Grandement merci. Tu comptes beaucoup pour moi. Le Cameroun a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Je t'aime en tant que patron. Moi, Maurice Tokam, vice-président de l'aire royale du Mungo. C'est l'occasion pour moi de te dire merci pour tout ce que tu fais. On est content de ce que vous nous faites ici en Consamba. J'apprécie ton style de te comporter et l'évolution de la vie d'un Consamba et le cabaleret que vous avez auprès. Va de l'avant. C'est de remercier le bon Dieu de m'avoir mis auprès de vous. Je suis admiratif de votre carrière. Merci pour la chance que tu m'as donnée. Je te serai toujours fidèle. En fait, tu sais que je t'aime beaucoup. Je suis là. Le jour où tu penses à moi, n'hésite pas. Le jour où tu penses à un rappeur, je suis là. Dedi Eyongo, le roi Mwankoum. Chapeau, monsieur. Chapeau. Patmende Motango, Sombaneno. Voilà la bengue, Timbala Nyedou, Amoujo. Chaque jour, c'est le même problème. Nos centaines, Kombi Bandi. Avec celui qui va me mettre l'alliance, c'est lui mon mari. Alimon, ne te fais pas de soucis. Merci, oui, bon, si, merci. Sous la chaleur j'ai fouillé. On tournait la page. Bon cas si c'est long, il est lié. Dis-donc, dis-donc, boli, médine. Dis-donc, dis-donc, boli, médine. Wow, merci beaucoup. La structure créative a un cadeau pour vous derrière votre chaise. Ah bon, je fais comment? C'est où? Avec le bon coup d'amour. Ah d'accord. Wow, ouh là là, que c'est beau, ouh là là, j'adore ça, j'adore ça. On va accrocher ça tout de suite, tout de suite. J'ai jamais eu un truc comme ça. Merci beaucoup. Parfois on fuit ces interviews parce que c'est pas, on fait pas de la recherche, c'est pas nouveau. On est fatigué de certaines façons de faire. Vous avez pris du temps, vous avez fait de la recherche, vous avez. On ne vient pas demander, vous avez quel âge? Vous ne m'avez pas posé cette question, vous m'avez donné l'âge. Tout ce que vous avez relaté, on sent qu'il y a eu un travail de fond. Et c'est tout ce qu'on demande aux jeunes. Vous avez pris du temps pour venir en Consamba. Yayato ira très très loin. Très 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 loin. Ouais, votre façon de travailler, ça, ce n'est pas pour vous flatter. Ouais. Et donc, je souhaite bonne chance à toute l'équipe et aux promoteurs. Nous allons nous lever. L'émission est finie, ouais.